Le SDIS de l'Essonne cherche depuis plus de 10 ans à regrouper ses services de la direction afin d'améliorer la transversalité entre ses groupements et ses services. La direction du SDIS est aujourd'hui implantée sur 5 localisations et fait l'objet de 8 baux ou conventions d'occupation. Le coût de cette opération constitue l'élément déterminant dans le choix de cette option d'achat. En comptant les dépenses liées aux travaux d'installation, le bâtiment acquis coûtera 3 fois moins cher qu'une construction neuve. Son financement sera assuré par un emprunt dont les frais financiers seront couverts dès la première année par l'économie des loyers actuels. Le site est moderne et bien desservi en transport et infrastructures routières. Le service de restauration inter-entreprise et les possibilités de stationnement pour l'ensemble de nos agents et nos visiteurs ont été autant d'arguments déterminants dans le choix de ce nouveau siège. Des travaux sont actuellement en cours sur ce nouveau site pour moderniser les systèmes d'information et de communication. Des rafraîchissements de peinture et la suppression des moquettes font également partie des travaux prévus. Entre le 3 et le 18 juillet, plusieurs visites vont être programmées. Une deuxième phase de découverte des locaux est prévue en août. Le site de la nouvelle direction est bordé par différents parcs, par des commerces de proximité, et tous les jeudis, à partir de 12h, vous pourrez profiter d'un marché de produits frais. Pour les automobilistes, une station-service est située à moins de 200 mètres du site. Pour les usagers des transports en commun, vous découvrirez dans une prochaine vidéo les différents trajets entre le nouveau siège et le RER.